الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول وفي أوسط وفي آخر كلامنا. الحمد لله mes chers frères. Toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent uniquement et seulement Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, Allah Rabbul Alamin, Seigneur des cieux, Seigneur de terre, Allah qui fait tomber la pluie quand il veut, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait rayonner le soleil quand il le veut, Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est dépendant d'aucune situation, Allah qui n'est dépendant d'aucune saison, Allah qui comme il fait lever le soleil à l'est et le fait coucher à l'ouest sans aucune difficulté quand il le voudra, quand le moment sera venu selon la mashiyat d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors le soleil se lèvera à l'ouest et se couchera à l'est. Allah tabarak wa ta'ala qui avec cette eau qui fait tomber du ciel amène sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala qui nourrit l'humanité au travers de cette eau, mais avec cette même eau qui vient d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah rabbul alamin qui peut détruire, Allah subhanahu wa ta'ala qui peut amener des inondations, Allah subhanahu wa ta'ala qui peut amener la destruction. L'eau est la créature d'Allah. La volonté, la décision ne vient que de Allah. Allah qui était le premier, Allah le premier, Allah qui sera toujours le premier. Mes chers frères, s'il y a une chose sur laquelle les 2 milliards de musulmans qui vivent aujourd'hui sont tous d'accord, unanimement d'accord, sur lequel il n'y a aucun ikhtilaf, il n'y a aucune divergence, quels que soient les mouvances ou les mouvements dans lesquels ils sont, c'est sur ce point, ce résultat, que si dans notre vie il y a din, il y a la pratique de la religion, alors Allah Rabbul Alamin nous accordera le succès dans ce monde et dans l'akhirah. Il n'y a ikhtilaf, il n'y a doute, il n'y a de divergence pour personne. Nous sommes tous d'accord, hommes, femmes, jeunes, vieux, occidentaux, asiatiques, quelles que soient nos origines, que Allah, Rabbul Alamin, il a mis notre succès uniquement et seulement dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, sur laquelle aujourd'hui, personne ne peut y mettre un avis différent. Auparavant, personne, eh bien, n'a mis de critique et personne n'émettra de critique. C'est que nous allons tous mourir. Cette parole est arrêtée. Nous naissons pour mourir. Certaines fois, le fils meurt avant le père. Eh bien, d'autres fois, le père qui meurt avant le fils. Et mes chers frères, Allah, Rabbul Alamin, il a mis des asbab, des facteurs, des moyens pour la hidayah et pour la tarbiyat de cette ummah. C'est-à-dire que pour que cette ummah, il y ait din en elle, pour que cette ummah, elle arrive jusqu'à l'agrément d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour cela des asbab. Il a créé des moyens, il a créé des facteurs. Être individuellement quelqu'un de pieux, il n'y a rien d'extraordinaire de. Être, se réveiller la nuit, prier devant Allah, pleurer devant Allah, lire mon Coran tous les jours, faire mon tasbihat tous les jours, invoquer Allah tous les jours, c'est-à-dire réussir sa construction spirituelle, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. C'est à la portée de chacun d'entre nous.
L'excellence de cette Ummah, l'excellence de cette Ummah se trouve justement non pas dans la construction individuelle, mais dans la construction communautaire, dans la construction de la Ummah. Réussir à ce que la Ummah arrive sur le satah, que la Ummah arrive sur le niveau qu'Allah tabarak wa ta'ala, il attend de la khayrul Ummah, c'est cela l'excellence. Comment arriver à cette excellence? Comment arriver à ce degré pour lequel Allah tabarak wa ta'ala il nous a créé, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous a suscité, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le meilleur des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien mes frères, la première chose qu'on nous demande, c'est de construire notre conviction et notre certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que l'on appelle le tawhid. Alors, avant d'avancer un petit peu plus loin dans ce raisonnement, j'aimerais effacer un malentendu. Dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, la da'wa, inviter vers Allah, ordonner le bien, interdire le mal, on l'assimile automatiquement à un mot da'wa tout tablir. Inviter vers Allah, ce n'est pas faire da'wa tout tablir seulement. Ce n'est pas réservé au da'wa tout tablir. La da'wa il Allah est l'obligation de chaque personne de cette ummah. Allah tabarak wa ta'ala, il a rendu obligatoire pour chacun d'entre nous d'ordonner le bien et d'interdire le mal, d'inviter les gens vers Allah, d'inviter vers la tawhid. Ça c'est une obligation de chacun d'entre nous. Et le fait de croire, eh bien que d'inviter vers Allah, c'est réservé au tablir, à nous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se dit certaines fois qu'on va laisser cela faire, et moi je ne fais pas. Et ce n'est pas moi qui le dis, mes frères. C'est celui qui a la responsabilité de ce travail aujourd'hui dans le monde, Hazrat Mawlana Saad Damat Barakatuhu, qui explique et qui dit que pendant longtemps, les gens ils ont cru que la da'wa, c'était da'wa tout tablir. Non, la da'wa ilallah, c'est le fariza, c'est l'obligation de chacun d'entre nous. Parce que l'islam est une religion universelle. L'islam n'est pas une religion régionale, l'islam n'est pas une religion nationale, mais l'islam est une religion universelle. La portée du message de l'islam étant universelle, eh bien, la portée de son message incombe à toute personne faisant part de l'universalité de ce message, de cette religion. C'est pour cela que les compagnons, ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in, les compagnons du